يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. D'après عبد الله بن عمر, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: chacun de vous est un berger et sera interrogé sur son troupeau. L'imam est un berger et l'homme en est un pour les siens, comme la femme est une bergère dans le foyer de son époux et vis-à-vis de ses enfants. Certes, chacun de vous est berger et chacun d'entre vous sera interrogé. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الإخوة والأخوات لقاؤنا أيها الإخوة الكرام هذه الليلة هو في موضوع نحن بحاجة إلى أن نتدارسه ونستخلص منه العبر والدروس. Le thème de cette soirée est un sujet qui fait mal à beaucoup de personnes et qui fait mal à chacun de nous. C'est un sujet qui a détruit beaucoup de couples. C'est un sujet qui a cassé la vie de beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et beaucoup d'enfants. Combien y a-t-il pas de pères ou de mères dont la vie a changé, comme on dit, à 180 degrés ? À cause d'un divorce fait aveuglément, à cause d'une décision prise par l'homme ou par la femme sans réflexion. Quand on prend les choses de la religion à la légère, on paye des conséquences très très chères. C'est pour cela que nous allons, entre nous, citer quelques principes de la vision de l'islam, de la vie du couple. Comment l'islam appelle les musulmans à éviter le divorce à tout prix. Et comment les savants musulmans ont bien tiré des leçons et des lois à partir de cette conception générale de l'islam pour nous donner ce qu'on appelle le hukm shar'i du talaq. Quelle est la qualification juridique du divorce à la base? Est-ce que le divorce est une mode? Est-ce que le divorce est une chose qui est à la portée de chacun et de chacune, une arme qu'on sait utiliser à tout moment pour un tout et pour un rien? Est-ce que le divorce est toujours la meilleure solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution en islam? Tout en sachant que je m'adresse dans cette rencontre à mes frères et aux sœurs qui sont croyants. Je m'adresse aux frères et aux mu'minines,
Je m'adresse à ceux qui viennent à la mosquée, à ceux qui suivent des cours, à ceux qui connaissent beaucoup de choses dans la religion. Si le taux de divorce, comme disent certaines statistiques que j'ai entendues il y a 2 jours, certaines statistiques effrayantes vont jusqu'à dire que le taux de divorce dans la communauté musulmane atteint 70%. 70 min al-mi'a min al-mutazawijin min al-muslimin tallaqou. 70% veut dire quoi ? Veut dire 7 couples sur 10 ont divorcé. D'ici quelques années, qu'est-ce que ça deviendra ? Dire divorcer, c'est dire qu'il y a des conséquences mauvaises. C'est dire qu'il y a des enfants qui vont peut-être s'adonner à la drogue, à la délinquance, au crime, etc. Parler du divorce, c'est parler d'un jeune qui va vivre seul, loin de son épouse, exposé à l'haram, à l'illicite. C'est parler d'une jeune fille, une jeune femme divorcée, qui dans beaucoup de cas choisit de vivre toute seule dans un appartement, et elle est exposée à shayatin parmi les humains et parmi les démons. C'est parler d'une société ou d'une communauté musulmane qui s'effrite devant nous et on ne cesse de continuer dans ce chemin de divorce. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir dans les textes du Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de l'ulama ont beaucoup travaillé sur ce sujet pour mettre le musulman et la musulmane en garde. Attention, c'est un appel que te lance Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants musulmans, notamment à notre époque, pour dire attention, le divorce, s'il se fait par la parole, n'oublie pas que les conséquences ne s'arrêtent pas par une simple parole. On sait tous et toutes que le divorce, il suffit de dire tu es divorcé, il suffit de dire que moi je veux al-khul'a, racheter ma liberté de mon mari, c'est très facile à dire. Mais les conséquences, c'est dans les tribunaux. Les conséquences, c'est chez les avocats. Les conséquences, c'est une guerre entre familles musulmanes. Les conséquences, c'est des disputes, c'est des insultes, c'est de l'argent qui part, qui s'évapore. À cause de quoi ? À cause de ce genre de décision non réfléchie. La première chose que je traiterai dans ce thème, c'est de parler comment l'islam voit le divorce. On sait que le divorce fait partie des lois de l'islam. At-talaq mashru'un fil islam, lakin kayfa nazzamahu al-islam wa kayfa hakama alayhi al-islam. Comment l'islam voit le divorce? Je commencerai par le point suivant, le numéro 1. Hirs al-islam ala al-bayt al-muslim. L'islam appelle à garder l'unité du couple, l'unité de la famille, et de tout faire pour ne pas casser ce couple, pour ne pas casser ses enfants, pour ne pas casser cette famille qui vient de se construire ou qui est construite depuis de longues années. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de couples aujourd'hui et de beaucoup de familles. Tu vois un frère âgé de 65 ans, à 65 ans, il vient en pleurant pour te dire que ma femme et mes enfants m'ont mis dehors. Ils m'ont chassé dehors. Et je n'oublierai jamais ce cas d'un homme âgé qui est venu après la prière d'un vendredi avec une clé dans ses mains, en pleurant. Il avait dépassé la soixantaine pour me dire, est-ce que tu sais c'est quoi cette clé ? Je lui dis non. Il me dit, c'est la clé de ma maison. Je dois la remettre à ma femme et à mes enfants après la prière de Jumu'ah parce qu'ils m'ont mis dehors. Avez-vous vu une sœur mariée qui a quitté sa famille pour être entre les mains d'un frère, d'un mari? Cette sœur qui a voulu se marier avec ce frère pour être une femme musulmane qui va construire un foyer musulman avec un homme musulman, éduquer des enfants sur la voie de l'islam, elle se trouve entre les mains de quelqu'un qui n'a aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de...